deux raisons à cela. La première, c'est qu'il est indispensable que les habitants du Grand Nancy puissent se déplacer de manière efficace, rapide et sécurisée, quel que soit le moyen de transport qu'ils choisissent. Pour cela, il faut un plan d'investissement sur l'ensemble du réseau du Grand Nancy. Il faut un plan d'investissement pour favoriser la marche et donc la piétonnisation. Il faut un plan d'investissement pour favoriser la sécurisation et l'extension des pistes cyclables. Il faut un plan d'investissement qui soit tenable. Et c'est la deuxième raison sur le plan financier. Je ne peux pas aujourd'hui proposer à la métropole du Grand Nancy d'investir sur une seule ligne de transport, car cela mettrait en péril l'équilibre global de l'investissement du Grand Nancy. Et d'ailleurs, d'autres sujets, d'autres projets ont besoin de l'investissement du Grand Nancy dans les années qui viennent. Je pense par exemple à la rénovation urbaine des grands quartiers populaires de la métropole, des provinces, au plateau, en passant par les nations. Je pense au soutien à l'attractivité économique, je pense au soutien à l'université, au soutien à l'hôpital. Nous avons besoin de préserver l'équilibre financier de la métropole du Grand Nancy. Nous allons développer par exemple 20 km de sites propres réservés pour les transports en commun, 200 km pour des pistes cyclables sécurisées tout au long de la métropole du Grand Nancy. Nous allons travailler sur un meilleur accès des piétons. Nous allons travailler sur l'ensemble des mobilités et sur la totalité du territoire métropolitain. Et nous devons aussi travailler en lien avec nos voisins. Je crois vraiment qu'il est temps, il est même urgent aujourd'hui de ne plus concevoir un réseau de transport à l'échelle de la seule métropole du Grand Nancy. Je n'oublie pas que chaque jour, 100 000 personnes entrent dans le Grand Nancy pour y travailler, y étudier, y consommer, se cultiver, se divertir. L'enjeu aujourd'hui est de travailler avec les territoires voisins pour proposer des solutions nouvelles. Il faut que nos réseaux de transport sortent du territoire métropolitain. Et il faut que des parkings relais plus nombreux soient proposés aux automobilistes connectés directement au réseau de transport pour pouvoir accéder au quartier de la métropole et au centre-ville. Vous avez été nombreux à participer aux concertations sur la ligne 1. D'ailleurs, certains d'entre vous avaient souligné à l'époque l'enjeu de réfléchir aux mobilités sur le territoire du Grand Nancy et sur l'ensemble du réseau de transport. Eh bien, c'est ce à quoi nous vous invitons aujourd'hui. Dites-nous comment vous voulez vous déplacer demain dans le Grand Nancy. Travaillons ensemble et à l'automne, les conseillères et les conseillers métropolitains adopteront le plan métropolitain des mobilités pour changer le visage du territoire du Grand Nancy.